Salut les gens, j'espère que vous allez tous bien, c'est Valash, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la box Lunala, bien sûr, vu qu'on avait fait Sol Galeo aujourd'hui, ce sera Lunala. Bon, je vous cache pas, je suis très impatient, donc on commence tout de suite maintenant, hein, on n'attend pas. Ça fait un moment que je la voulais, c'était en rupture de stock, toujours de la chance, ça change pas. Et on va enlever le blister. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Sol Galeo, je vous mettrai le lien dans la description, bien sûr. À pas louper, faudra aller voir. Et le petit carton, une puissance légendaire, les Pokémon GX. Donc là, le petit Sol Galeo et la vedette d'aujourd'hui, Lunala. Voilà, bon, je vous laisse, vous ferez pause si vous voulez lire. Moi, personnellement, j'aime pas lire, donc je lirai tranquillement. Et la box qui se présente comme ceci. Je vais dézoomer un petit peu. Tagrec, tagrec. Ouais. Voilà, donc la devanture, Lunala qui est juste ici, qui est magnifique avec les bordures dorées. C'est juste génial. La carte promotionnelle, bien sûr. On va aller sur le côté gauche, Sol Galeo, ça change pas. Devant, les énergies. Avec les énergies dragon effet qui s'ajoutent. Et là, on a Lunala en gros plan. Et pareil de l'autre côté, Pokémon Trading Card Game. Ok, et bien sans plus attendre, on ouvre ça. Hop. On met ça de côté. Et on retire sans abîmer la carte. Tac. Et voilà le petit bébé. Elle est superbe. Elle brille de mille feux. Elle est géniale. Et là, donc, on peut revoir le SM17. Donc, soleil et lune. C'est la 17e et c'est une promotionnelle. Voilà, elle n'a pas de chiffre. Elle ne fait pas partie de la collection. Tagrec, tagrec. Elle est superbe. Bon. J'ai acheté en même temps des petites pochettes, donc je vais m'empresser de la mettre dedans pour ne pas l'abîmer plus longtemps. Tac. Voilà. Je suis content de mes pochettes. Elles n'altèrent. Je vais y arriver, 1, 2, 3, 4. Elles n'altèrent pas la couleur. C'est super. Et du coup, je vous montre la petite pochette. Moi, j'ai pris Dracaufeu. Vu que j'adore les Pokémon Dragon, il fallait que je prenne Dracaufeu. Et pas chercher midi à 14h. Allez, le petit code online, c'est pour vous. Cadeau, comme d'habitude, on ne cherche pas. Et on va prendre le reste. La box est vide. Oh, les radins. Hop. Donc, on aura un booster de Lunala, un booster de Sol Galeo, un booster de Oratoria et un booster de Félinferno. Je terminerai par Oratoria car elle m'a porté bonheur l'autre fois. Et on va commencer par Lunala. Allez, on va faire ça comme ça. Hop, on va essayer de les ouvrir cette fois-ci sans aide de ciseaux. Hey, pas mal, Valou, pas mal. Ok. Le petit code, c'est cadeau encore une fois. Le 1, 2, 3, 4. Ah, là j'ai une carte. Bim. La macro, si tu veux bien le faire. Non, tu veux pas. Ok. À pas vouloir. Bon, je pense que vous voyez. Voilà. Un petit point blanc. Ok, bon. C'est pas grave. C'est qu'une énergie. Les énergies, je m'en fiche. Donc, énergie obscure. Un petit coraillon. Une repousse. Béquipan. Caninos. Crabagar, Vorastéri, Nodulite, Ratata d'Alola, Rupture d'énergie en reverse, je crois d'ailleurs que je ne l'ai pas, donc c'est parfait, et un Archiduc en rare, ok, je ne l'avais pas justement, donc c'est bien. Bon, après c'est qu'une simple rare, donc bon, c'est pas trop non plus extraordinaire. Allez, on passe à Sol Galeo, je ne vous ai pas montré l'arrière du booster. Partez à l'aventure dans une nouvelle région. Ok. Eh bien, écoutez, la nouvelle région, on sait tout ce que c'est. Le petit Alola. Non, tu veux pas? Mais si, tu veux.
Au revoir, papa. Voilà. Faut leur parler gentiment. Hop. Le petit code. Le 1, 2, 3, 4. Ok. Et encore une fois, toutes les bordures sont pas tip-top. Ok. Bon. Et ben, on n'a pas tombé sur une bonne pioche. Hein. Espérons que les bonnes cartes soient de bonne qualité. C'est parti. L'énergie fée. Escroco. Énergie multicolore. Chrysaphile. Au taquin. Togedemaru. Coquillas. Makuhita. Rapace de pique. Échange en reverse. Et un lanterne en rare. Je l'ai déjà. Ok, c'est pas tip top. Il nous en reste plus que deux. C'est l'inferno? Allez, espérons que le sort soit favorable. Tagrec, tagrec. Je vais y arriver, je vais y arriver. Non mais ces boosters, ils ne veulent vraiment pas s'ouvrir avec moi. J'y arrive jamais les Pokémon. Eh bien celui-là, il sera ouvert. Comme du n'importe quoi, le code, comme d'habitude, je vous le donne. 1, 2, 3, 4. C'est parti avec une énergie plante. La macro est bien faite. Ça y est. Un Grumble. Une double énergie multicolore. Concombaf. Ponchio. Goélise. Snubbull. Carvana. Nosferapti. Un Crustabri en reverse que je n'avais pas. Donc c'est super. Elle est magnifique. Et on aura, ok, une simple rare description. Malgré leur force spectaculaire, les vieux Ariyama préfèrent délaisser le combat au profit de l'entraînement des jeunes Makuhita. Ok, eh ben, on savait déjà qui c'était. Vu que c'était donné. Allez, Oratorio. Espérons que ça fonctionne. Ah, franchement, si ça fonctionne pas là-dedans, je vais être quand même assez déçu. Hein. Déjà qu'ils veulent pas s'ouvrir. Alors en plus, si j'ai des pioches pas tip top, ça va pas trop me plaire. Bon, après, on fait avec ce qu'on a. De toute façon, on n'a pas le choix. Le petit code. 1, 2, 3, 4. Et on est reparti avec une énergie combat. Je me suis spoilé. On a une bonne carte derrière. Nosferalto, échange d'énergie. Professeur Euphorbe, qui est toujours les tétons à l'air, mais tout va bien. Mini Draco, Bakabou, le Pokémon qui sert strictement à rien. Spododo, pour ma part en tout cas, après si vous aimez, dites-le moi en commentaire, il n'y a pas de problème. Un Mimantis, un Naragdo, un Picasso en reverse, que j'ai déjà. Et. Oh mon dieu, Marie-Joseph, une full art! Et c'est la combien? La 147 sur 149. Ok, c'est pas une secrète. Mais c'est Lily en full art. C'est génial. Je la mets tout de suite dans une pochette. Je connais deux petites personnes qui vont être jaloux de moi. Elle est magnifique. Bon, au final, je suis content. Même si on n'a pas eu d'autres ex ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Moi, une full art, ça me convient parfaitement. Il n'y a aucun souci. C'est juste magnifique. Elle est super belle. Génial. Ok. Alors, le petit récap. Du coup, la Lily. Bien sûr, notre petit Luna la GX. Logique. Et après, celle que moi, bah, du coup, qui va vraiment me servir, ça va être le Crustabri. On n'a pas eu d'holographique. On n'a eu que des reverse. Donc voilà, le petit Crustabri que je vous remonte juste ici. Voilà. Donc, bah, ce sera tout. La boîte est vide, donc on va se quitter là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend quand c'est que vous regardez la vidéo. Et je vous dis bye tout le monde!